Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment improviser sur le turnaround manouche. Alors, ça n'existe pas à proprement parler le turnaround manouche, c'est en fait un turnaround qu'on retrouve très souvent en jazz manouche puisqu'on le retrouvait beaucoup dans les années 30. Et c'est ça. Comme c'est un turnaround qu'on retrouve très souvent en jazz manouche, c'est intéressant de savoir ce qu'on peut faire pour improviser sur cette cadence qui est très courante. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous remontrer lentement les accords. Donc, on commence par un sol majeur qui est renversé sur sa tierce. On peut d'ailleurs tout aussi bien faire ça. On n'aura pas la descente de basse. Hein. Donc c'est préférable de faire cet accord-là. Ensuite, c'est un si bémol diminué, auquel on peut rajouter cette note ou celle-là. Un La mineur 7, un Ré 7 avec une 9e et un Sol majeur avec une 6e. Donc là il est en Sol majeur, mais si on l'a avec des positions dont l'accord de la tonalité a sa fondamentale sur l'accord de La et pas de Mi, par exemple si on est en Do majeur, les positions ce seront les suivantes. Do basse Mi, Mi bémol diminué, qu'on pourrait aussi faire comme ça, Ré mineur 7, avec éventuellement la 9e, ou comme ça, et Sol 7. Voilà, je vous ai montré assez rapidement les positions d'accords de base. Il y a des chances que vous connaissiez déjà ça, que vous l'ayez déjà joué de nombreuses fois, sans forcément bien comprendre cette cadence-là. Ça va être le propos de cette vidéo. On va voir ce qu'on va pouvoir improviser sur cette cadence. Alors, ce qu'on rencontre très souvent, ce qu'on peut faire assez facilement sur cette cadence, c'est simplement utiliser la gamme majeure sous-entendue par la tonalité du morceau. Tous ces accords sont à peu près dans la tonalité, ils sont à peu près diatoniques, on verra qu'il y en a un qui ne l'est pas. Donc on peut très bien rester sur la gamme de Sol majeur pendant qu'on a cet enchaînement d'accords, d'autant plus que, en général, c'est un enchaînement d'accords qui se fait assez rapidement. Deux temps sur cet accord, deux temps, deux temps, deux temps. C'est deux accords par mesure, donc la gamme de Sol majeur ira très bien sur cet enchaînement d'accords. Oui, mais ça j'imagine que vous savez déjà le faire, donc on va voir des choses un petit peu plus avancées et un peu plus intéressantes. Il y a quelque chose d'extrêmement intéressant au niveau des sonorités qu'on va pouvoir apporter sur cette cadence. C'est justement l'accord qui n'est pas dans la gamme, l'accord qui n'est pas diatonique. C'est l'accord de passage si bémol diminué. Cet accord de si bémol diminué, c'est justement lui qui fait sonner cette cadence si particulière. Donc ça va être intéressant dans nos improvisations d'utiliser les sonorités qu'on va pouvoir apporter en arpégeant cet accord-là pour la faire sonner, pour améliorer nos improvisations et les faire sonner un petit peu plus sympa. Et ça, Django Reinhardt l'avait bien compris et il utilisait énormément cette sonorité. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on rencontre un petit peu moins chez les guitaristes manouches, l'utilisation de cette sonorité de l'accord diminué, qui est l'accord diminué du degré 1, puisqu'en fait ce si bémol diminué, on peut l'analyser comme le degré 1 diminué, c'est un sol diminué qui va vers le la mineur. Bref, la première chose qu'on peut faire pour bien entendre cette cadence-là et aussi cet accord diminué, c'est d'arpéger les accords de cette cadence, les 4 accords. Donc de jouer les notes qui sont dans les accords. Si on improvise, on va improviser pendant cette vidéo autour des cases 10-12 à peu près. Donc Sol majeur, si je l'arpège, ici ça va donner ça. Ça c'est Sol majeur 7. Ensuite le fameux accord de Si bémol diminué, que moi j'ai tendance à penser Sol diminué. Donc c'est la même fondamentale d'accord, mais par contre c'est pas les mêmes notes. C'est un accord qu'on peut aussi s'entraîner à arpéger plutôt en diagonale. Ensuite le La mineur 7. Et le Ré 7. Alors pour le faire sonner un peu plus sympa, le Ré 7,
plutôt que juste reset tout simple avec une quinte juste. On va lui rajouter, enfin on va changer sa quinte, on va l'augmenter d'un demi-ton. Ça va faire un reset avec une quinte augmentée et c'est très beau. Et ça s'utilise beaucoup cette sonorité. Donc je vais faire une première impro simplement en utilisant ces arpèges d'accords là. Pour bien apprendre les arpèges d'accords, vous savez probablement déjà que une petite astuce consiste à bien visualiser les positions des accords qui correspondent aux endroits où on arpège les accords. Donc le premier sol maj 7 que j'ai arpégé, c'est ici qui se joue. Ensuite le sol diminué, c'est comme ça qui se joue. Le la mineur 7, comme ça. Et le ré 7, augmenté, avec une quinte augmentée. C'est parti, je fais une improvisation sur le turnaround en arpégeant les accords. Voilà, vous voyez que déjà le tempo va assez vite et que ça demande en fait pas mal de travail au préalable, c'est-à-dire juste jouer les arpèges d'accords, les mémoriser. Et donc là, ce que je fais, comme le tempo va assez vite et aussi les accords durent une mesure chacun, j'ai pas le temps de réciter tout l'arpège d'accords, donc je joue juste 2-3 notes. Et cet exercice, il n'est pas évident, mais il est très intéressant parce que ça m'oblige à bien visualiser quelle note de chaque arpège d'accord va vers quelle note de l'arpège d'accord qui suit. Justement, on y vient à ce sujet. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de voir justement les mélodies qui sont créées par les mouvements des notes cibles, les notes qui sont dans les arpèges d'accords qu'on joue. Par exemple, prenons cette note. C'est un Ré, c'est la quinte du Sol, Sol majeur. Elle va vers cette note lorsqu'on passe sur Sol diminué. Vous l'avez vu dans l'arpège d'accord, elle va aussi après vers cette note, qu'on joue ici d'ailleurs, c'est la tierce du degré 2, donc c'est un Do, et elle reste ici lorsqu'on joue le Ré 7, c'est la septième. Donc on a cette mélodie qui est sous-entendue par cet enchaînement d'accords. Et d'ailleurs ce Do, il résout ensuite sur le Sol, enfin la tierce majeure, donc le Si, de Sol majeur. On a une mélodie ici, qui commence donc par la tierce du degré 1, ensuite qui va vers cette note, le Si bémol, lorsqu'on joue Sol diminué, ensuite le La, et ensuite elle pourrait rester ici sur le Ré 7, mais comme nous on fait un accord de Ré 7 avec une quinte augmentée, on va aller vers cette quinte augmentée, qui pourra résoudre par exemple sur le Si de l'accord de Sol majeur. Et on peut aussi remarquer qu'il y a une autre mélodie qui commence sur le Sol, qui reste sur le Sol lorsqu'on a le Sol diminué, qui reste encore sur le Sol avec le La mineur, et qui va vers le Fa dièse lorsqu'on joue Ré 7, et ça résout sur Sol. Ces mélodies-là, en fait, on les voit lorsqu'on fait les positions d'accords. Vous voyez que quand j'enchaîne ces trois premiers accords, on voit très bien qu'il y a une note qui reste, et il y en a deux autres qui descendent par demi-ton. Ces petites mélodies cibles, on pourrait les appeler comme ça, c'est important de bien savoir comment elles évoluent, puisqu'on pourra s'en servir en fait pour nos improvisations, pour être guidé par ces mélodies-là, tourner autour et faire des improvisations qui collent bien aux accords et qui sonnent bien, qui sont très horizontales. Je fais une petite improvisation qui sera beaucoup basée justement sur ces mélodies. Et vous le savez peut-être déjà, mais tout ce que je joue dans cette vidéo est relevé, est retranscrit et disponible, téléchargeable directement dans un lien dans la description de cette vidéo.
cette improvisation elle sonne pas incroyable, au moins elle sonne bien avec les arpèges d'accord, et je me sers de la sonorité du sol diminué pour justement apporter cette couleur intéressante qu'on trouve pas tant que ça dans les improvisations actuelles en jazz manouche. Ce que je peux faire évidemment comme exercice, je ne l'ai pas fait pour l'instant mais je vais le faire rapidement, c'est de travailler ça rubato tout seul, sans accompagnement, sans playback qui me met la pression. Par exemple, sol majeur, sol diminué, la mineur, ré 7, et sol majeur. Et je peux chercher des phrases quand je joue comme ça, sans pulsation. Je peux prendre le temps de travailler le son. C'est un exercice assez complet que je conseille assez souvent. Travailler tout seul, improviser tout seul, sans forcément mettre un playback. Cet accord de sol diminué, donc l'accord de tonique mais diminué, c'est un accord dont je parle dans d'autres vidéos qui sont pour certaines accessibles sur YouTube. Je pense notamment à la vidéo « Improviser sur une tonalité en jazz manouche ». J'en parle un petit peu de façon un peu différente, mais c'est la même idée globalement. Je vais faire une improvisation finale avec des choses un peu plus personnelles, mais toujours basées sur ces arpèges d'accord et cette idée-là du turnaround. Je vais vous donner 2-3 astuces. Alors déjà, il y a un truc qu'on peut faire qui sonne vraiment bien, et qui sonne typique parce que Django le faisait souvent, c'est d'arpéger, en fait de penser l'accord diminué, sol diminué, avec en plus une note qui va être ajoutée, et assez souvent cette note c'est la septième majeure de l'accord. Si on pense à sol, sol diminué avec une septième majeure, ça se joue comme ça, en accord. Et Django Reinhardt, il le faisait entendre avec ce type de phrase. Donc, quand je fais ça, j'arpège sol diminué avec une septième majeure. Au début, certes, mais surtout à la fin. C'est la note que je vise et que je tiens à la fin. Et après, j'arrive sur la mineure. Et donc, je peux combiner, c'est ça qui va être intéressant, je peux combiner la sonorité de cette septième majeure avec d'autres notes du sol diminué. C'est ça qui va bien sonner. Et un deuxième petit conseil, c'est que on a parlé des notes qui se déplacent, mais en fait il y a certaines notes qui ne bougent pas, surtout du premier au deuxième accord. Et même c'est des notes qui sont communes à tous les accords, des notes qui marchent sur tous les accords. Il y en a 4, elles sont conjointes, c'est ces notes-là. Il n'y en a aucune qui va vraiment dissonner avec ces accords-là. Et ça peut être aussi bien d'avoir une approche beaucoup plus horizontale, donc en gros de rester sur les mêmes notes. Ça marche très bien sur ces accords-là. Les autres notes sont un peu plus risquées. Mais ces 4 notes-là, elles marchent tout le temps. Maintenant, je vais faire une improvisation finale, un peu plus personnelle et aussi beaucoup plus riche au niveau des phrases et au niveau harmonique. C'est une impro qui est relevée. C'est parti. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous permettra de maîtriser un peu mieux cette cadence, qui est extrêmement courante en jazz manouche, de maîtriser un peu aussi la sonorité qu'on va pouvoir apporter avec cet accord-là et avec son arpège. Les documents
Il y a des documents téléchargeables dans la description de cette vidéo, gratuitement téléchargeables, pas besoin de vous inscrire, quoi que ce soit, vous cliquez et vous avez le fichier. N'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne YouTube, puisque je publie régulièrement des vidéos dans ce style, en fait, pas forcément en jazz manouche, je fais aussi du jazz manouche, mais pas que ça. Et sachez aussi que sur mon site Guitare Improvisation, il y a beaucoup de pages explicatives et de vidéos, certaines sont payantes et sont plus complètes aussi, sur plein de sujets qui tournent autour de l'improvisation et dans plusieurs styles de musique.